Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en train de passer un bon dimanche parce que le dimanche n'est pas passé encore. Tout d'abord, je remercie tous mes abonnés qui sont toujours là pour moi, qui me posent des questions. Mais par contre, suivez les vidéos parce que quand je dis par exemple à telle heure il faut faire quelque chose ou tel jour il faut faire quelque chose, suivez la vidéo parce que quand je re-regarde mes vidéos, je me dis mais je l'ai dit. Donc si c'est par exemple à minuit, il faut faire un truc, il faut à minuit. S'il faut à 11h, il faut à 11h. Si c'est le matin, je le dis. Pourquoi vous me reposez la même question? Sachez que moi, je reçois beaucoup de commentaires et je réponds à tout le monde. Et tout à l'heure, je me suis trompée, j'ai répondu à un commentaire à une autre personne parce que voilà, je peux me tromper hein, sur les commentaires. Mais faites très attention, regardez bien la vidéo parce que si je dis par exemple vous le faire avant minuit, vous le faites avant minuit, adressé à une de mes abonnées que je remercie, mais regarde Soso, regarde la vidéo. Si c'est dit par exemple 11 avant minuit, c'est avant minuit. Donc comme tu me l'as dit, donc c'est dit, je l'ai dit sur la vidéo. Donc faites très attention quand vous regardez. Tout d'abord, je vous souhaite la santé qui est plus importante et le bonheur. Alors aujourd'hui, je viens vous parler des rituels, des talismans qui fonctionnent et ceux qui ne fonctionnent pas pour vous. Vous vous posez toujours cette question et vous dites pourquoi je l'ai fait mais ça n'a pas fonctionné. Alors je vais vous dire pourquoi. Les gens qui font des rituels comme moi, ou qui font des talismans, ils vous disent pas comment et pourquoi et qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire. D'accord? Tout d'abord, si vous faites par exemple le retour de l'être aimé, d'accord? Et que votre être aimé, s'il boit de l'alcool, va n'importe quoi, ça ne va pas fonctionner. L'alcool efface des rituels, automatiquement. On a beau à faire n'importe quoi, mais ça ne fonctionne pas. Regardez urgent cette vidéo. Si vous habitez en bord de mer et vous faites un rituel d'amour, ou d'accord, et vous dites, mais je l'ai fait et pourquoi ça n'a pas fonctionné. Donc, pourquoi? Parce que votre bien-aimé, que ce soit pour homme ou femme, c'est-à-dire va souvent se baigner. Et comment? Quand on va se baigner, il y a du sel dans l'eau. D'accord? Et le sel, la personne va effacer, ça va s'effacer automatiquement. Pourquoi? Le sel va purifier tout, va t'enlever tout ce que tu viens de faire. C'est-à-dire, je ne parle pas des lacs et des rivières, hein, si tu vas te... Non, ça non, je ne parle pas de l'eau douce, je parle de la mer salée. De la mer elle est salée, c'est ce que je dis. C'est-à-dire, la personne, si en plus on approche l'été, les gens qui habitent en Méditerranée ou vers l'océan, c'est-à-dire que les gens ils vont se baigner. Même s'ils ne rentrent pas dans l'eau, même ceux qui n'aiment pas se baigner, mais ils vont mouiller quand même leurs pieds. C'est-à-dire, le rituel, ou peu importe ce que tu as fait, ça ne va pas fonctionner. Pourquoi? Parce que la personne s'est purifiée avec le sel. D'accord? Alors, une chose, et si la personne boit aussi, l'alcool, c'est fini, c'est comme la javel. Pour purifier aussi, par exemple, on vous a jeté quelque chose devant la porte, sorcellerie, vous pouvez nettoyer aussi avec de l'alcool. Et l'alcool, l'alcool pour nettoyer ou l'alcool à boire, ça reste de l'alcool. Vous êtes d'accord avec moi? Ça s'appelle alcool. Donc, c'est comme si tu viens rien de faire, c'est comme si tu n'as rien fait. Alors, si tu viens de faire un rituel, par contre, et tu veux protéger ton rituel, et tu veux qu'il dure, et qu'il fonctionne, je veux dire. D'accord? Bon, tu as fait un rituel tranquille et tout. Exemple, je vous ai mis beaucoup de vidéos pour vous parler comment purifier son corps, comment on se lave pour purifier son corps, et comment protéger et purifier notre maison. Vous avez fait un rituel, d'accord, et là vous voulez, par exemple, quelques jours après ou un mois après, ou peu importe, vous voulez purifier votre maison. Ce qu'il faut faire, le plus important, il n'y a pas beaucoup qui vous le disent ça.
toutes les filles ou les mecs qui posent comme ça des rituels, ils vous disent pas ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Ils vous disent tous la même chose. Tu fais ça pour le retour d'aimer. Mais ils vous disent pas ce qu'il faut faire, ce qu'il faut arrêter. Donc tu viens, tu vas purifier ta maison et le rituel il y est. Par exemple, rituel avec photo, rituel avec photo, rituel avec son linge, peu importe. Tu vas acheter de la semoule de blé dur. C'est pas le couscous. C'est pas la semoule de couscous. Et ne me dis pas où tu vas le trouver. Ça se vend partout. Ça s'appelle la semoule de blé dur. Il faut que tu aies toujours un ou deux paquets. Mais tu vas pas gaspiller beaucoup. Hein, d'accord? Ce qu'il faut faire, il vous faut tout simplement un petit bol comme ça. Un petit bol un peu haut, hein. Pas une assiette. On va mettre un tout petit peu de semoule de blé dur ici, d'accord? Et on va mettre le rituel, par exemple photo, un petit linge, talisman. On met la semoule de blé dur un petit peu et on va mettre ce rituel là, dessus. Pas creusé, la semoule alliée, un peu, on pose le truc, on le pose. On va venir, on va couvrir encore de ce moule, jusqu'à plus voir le talisman ou le rituel. Et on va prendre le bol et on va le cacher. Cacher à l'ombre. Placard, armoire, mais vraiment à l'ombre. Ne jamais l'exposer au soleil ni à une ampoule. Je parle électricité. D'accord? Et tu pourras te purifier toi, purifier ta maison et tout, tranquillement. Ensuite, les rituels qui sont faits avec du vin et de l'alcool, les filles, ne croyez pas à ça, parce que j'ai reçu un commentaire, une de mes abonnées qui m'a dit « Merci, elle m'a remercié pour le rituel. » Elle m'a dit « J'ai fait le rituel que... » Elle a partagé, elle a pris un rituel à moi et elle m'a dit « Merci, Soussou, je viens de faire votre rituel, mais j'ai rajouté du vin. » Alors, moi, mes rituels, mes talismans, je ne travaille pas avec du vin, ni avec du whisky, ni avec de la bière. C'est une connerie, ça. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'alcool et l'alcool, ça va effacer tout. C'est comme si tu n'as rien fait. Niette, nada. Nada, il n'y a rien. Tous les rituels qu'on vous raconte, je ne sais pas où elle a vu ça, je ne sais pas qui lui a dit de faire ça, mais c'est une connerie à 100%. S'il vous plaît, écoutez bien, n'avancez pas, mais écoutez la vidéo. C'est vraiment une connerie. Donc, du coup, le rituel, si tu l'as fait avec des photos, tu as fait un petit truc comme ça, que tu as enveloppé, de la semoule de blé dur, on pose le rituel et on couvre avec la semoule. Et on va venir et on va mettre soit du film alimentaire, soit une soucoupe. D'accord? Et on va le mettre à l'abri. D'accord? Mais les rituels qui sont faits avec du vin et de l'alcool, ne croyez pas à ces mensonges-là, c'est des conneries à 100%. Et les gens qui ne vous disent pas à telle heure qu'il faut commencer, et quel jour qu'il faut commencer, parce que les gens ne se connaissent pas. Ceux qui postent des vidéos comme ça, mais sans vous expliquer ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, c'est une connerie. D'accord? Déjà pour se purifier, enlever la sorcellerie, le mauvais œil et la jalousie, je vous ai mis beaucoup de vidéos et déjà, il ne faut pas porter de bijoux, ni or, ni argent, ni rien du tout, ni cuivre, ni rien. D'accord? Il faut mettre une robe large et faire ce que je vous ai posté. D'accord? N'oubliez pas d'acheter le fassour et le qu'on appelle en français la résine de galbanum. Mais ne croyez pas à tout le monde, parce que les vidéos, elles y sont partout quand tu regardes. Bon, moi j'ai eu un retour de une de mes abonnées, je ne me rappelle plus, il faut que je re-regarde les vidéos. Elle m'a dit, cette personne, elle m'a dit « Merci, vous avez sauvé mon couple ». Donc, tous mes abonnés, il y en a qui ne font rien du tout, et il me pose des questions, des fois des questions, bon ça m'arrive de me tromper. Et quand je vérifie ma vidéo, ben non. Je me dis, mais je l'ai dit, pourquoi on me répète la même chose? Ok.
Donc, du coup, elle m'a dit, merci, vous m'aviez sauvé. Vous avez sauvé mon couple. Je ne sais pas quel rituel qu'elle a fait ou un talisman, aucune idée. Mais il faudra que je cherche. D'accord ? Juste pour vous prévenir. Mais si on vous dit de l'alcool, du whisky, la bière, là, et c'est quoi ? Une banane ? Non. Les rituels qui marchent, il y a plein de, comment on appelle ça, l'aubergine. Pour éloigner quelqu'un, l'aubergine. Par exemple, l'aubergine est noire. Pour éloigner une personne que tu veux plus voir, ou une femme qui fréquente ton homme, ou toi, un homme qui fréquente ta femme, oui. Le citron est très efficace. L'oignon rouge est très efficace. Mais une banane, c'est des conneries. D'accord ? L'alcool et le vin, c'est des conneries. Donc, n'écoutez pas tout ce qu'on vous raconte. La plupart des gens, ils n'arrêtent pas de vous dire partagez ou ils vous demandent plein de choses. En fait, eux, c'est pour avoir plus de vues. D'accord ? Mais ne tombez pas dans le panneau, c'est des conneries. Donc, essayez. Et rendez-moi la réponse. D'accord ? Je vous remercie de m'avoir écouté. Prenez soin de vous. Et par contre, attention aussi, il y a des rituels qui sont en pleine lune. Des rituels, talismans ou rituels, lune noire ou les étoiles. D'accord ? Et il y a des rituels qui fonctionnent avec le soleil. Ça, je ne vous ai pas encore fait des rituels qui fonctionnent avec le soleil. Je vous le dirai. Et j'ai aussi avec le Coran. Le Coran, quand tu le fais, il n'y a pas d'heure. Il n'y a pas de jour. D'accord ? À très bientôt, mes chers abonnés et aux nouveaux abonnés.